Hey, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une mêlée générale sur Black Ops. Je vais jouer à la MP5K, donc je vais bien commencer la partie, mais je vais finir au FAMAS viseur laser. Donc c'est une mêlée générale assez épique, surtout à la fin. Très épique même, j'ai beaucoup ragé. Bon, voilà. Donc je vous laisse apprécier le gameplay. Je voulais vous parler aussi. En fait, je sais pas de quoi vous parler. Oui, donc pour mon Dazzle, compte l'acheter pendant les vacances. Enfin, je l'ai déjà acheté, mais il me manque 2 ou 3 outils. On va dire ça comme ça. Voilà, donc lui il m'énervait, donc j'ai préféré prendre plus de sécurité, donc comme vous voyez, je joue en tactique pour faire des drop shots, même si sur Black Ops ce n'est pas très efficace. Donc j'ai très bien commencé la partie, mais malheureusement je vais mal la finir. J'étais chaud au début là, mais bon, ça n'a pas continué, on va dire. Donc, je vais me taper des claymores, des campeurs. Voilà quoi, c'est Black Ops. Voilà. Je n'ai pas du tout de chance dans ce jeu. Ah oui, et je compte aussi faire pour ce week-end. Je croyais qu'il y avait un type. En fait, il campait là, je crois, à gauche. J'ai explosé sa voiture, mais sa voiture m'a explosé aussi. Oui, donc je compte faire des spots. Donc la clé mort, comme vous le voyez. Alors là, je vois qu'il y a un gars sur mon radar. J'arrive, je me retape une clé mort. Et le gars n'a pas bougé depuis toute la partie. Hein. Bon, il m'énervait avec ma tourelle ortie aérienne. Il disait, vous la voulez où? Vous la voulez où? Donc je l'ai posée. Donc là, je me suis fait retuer par le campeur. Elle m'a bien fait rager pendant que j'étais en train de jeter mes paralysantes. Oui, donc je disais, sur Modern Warfare 2, je vais faire des spots. Donc là, vous voyez, j'étais totalement en train de me relâcher. Il m'avait carrément remonté. Donc là, bon, allez, je me dis, allez, c'est bon, on va reprendre. Et j'avais abattu son drone en même temps. Donc là, je me suis dit, oula. Donc là, il y a un gars qui arrive. Hop, je le tue. Un drop shot. Voilà. Et là, je me prends les RCXD. Ah oui, les RCXD, je crois que je m'en suis pris 3-4 durant cette partie. Donc j'ai beaucoup de chance. Donc là, vous voyez, je tire dessus. Mais comment on me tire dessus? Et ça ne lui fait rien. Donc là, je rate. Et là, je fais un petit jump drop shot assez stylé. Là, je me dis, il est trop loin. Donc je vais pas risquer ma vie. Enfin, ma vie du jeu, quoi. Je sais que je parle un peu beaucoup, mais bon. Voilà. Donc, là, j'ai cru que c'était l'hélico au début, mais en fait, c'est un gars qui m'est arrivé par derrière. Je fais beaucoup tuer par derrière. Ah oui, il y avait un petit campeur là aussi. C'est Black Ops, hein. Là, un gars, il est un peu loin. Je tente mon Tomahawk qui va arriver dans le mur, mais bon, j'avais pas réfléchi. Donc là je crois que je vais aller voir le gars et il va mettre j'ai pas eu le temps d'aller le voir en fait. Ah oui, alors retrouvons le petit campeur qui était à droite, je crois, sauf que je suis pas allé le voir parce que j'avais pas vu sur mon radar. Donc là j'ai gagné 1700. Là j'ai enchaîné, mais je me suis fait tuer par je ne sais où, RCXD. Je crois que c'est moi qui va me le retaper, non? Peut-être pas, peut-être que si, peut-être que non. Non, je crois pas. Pas celui-là. J'ai eu un petit headshot. Donc, si vous voulez m'ajouter, moi et Fab, parce qu'en fait, je partage la chaîne avec Fabien, si vous êtes nouveau. Donc, voilà, comme ça, on partage une chaîne. Là, j'ai fait un beau wallbang aussi. Vous pouvez nous ajouter. Alors, moi, c'est Flo. XXManix, je mettrai mon. Là, je me suis flashé comme un bolos.
Je mettrai mon PSN dans la description et celui de Fabien. Et celui de Mika aussi, qui partage la chaîne, mais fait plutôt des vidéos avec nous au lieu que faire des vidéos lui-même. Et il participe aux vidéos, on va dire. Donc là, oui. Alors, le épique à la fin, c'est-à-dire que je vais essayer de faire un book kill, mais je ne vais pas réussir. C'est bête. J'avais oublié qu'en secondaire, j'avais... ah non, rien. J'ai rien dit, je ferme ma bouche. Lui, je l'avais oublié. Hop. Il aime bien camper, là. Là, alors là, il est là-haut. Et je me prends la clé mort dans la figure. Mais je vais parvenir à le tuer, quand même. Alors lui, j'ai fait n'importe quoi. Mais, ah oui, dans cette partie, je vais rentrer 3 coups de couteau. J'ai vraiment de la chance, parce que déjà, en coup de couteau, je suis vraiment nul. Et en plus, sur Black Ops, c'est encore pire. Et comment dire, je vais avoir des couteaux de réflexe comme ça. Et c'est assez épique quand même. J'ai vraiment eu de la chance. Et bon. Par exemple, là, non. Là, carrément, c'était pourri. Hein. Là, il arrive et il se fait buter. Là, je me tire par derrière. Bon. Un petit stake out. Vous avez eu l'accent? Là, je déconne. Ouais, bon, bah, lui, coup de couteau. Hein. Ça, c'est pas un réflexe, c'est normal. Alors, celui-là, qui était là-haut, bon, j'ai tenté un wallbang. Bon, je me suis dit, je vais monter. Je balance ma grenade. Oh, je les vois, il est descendu. Là, on a galéré, vraiment. Et je lui ai mis un petit headshot pour finir. Et là, un petit réflexe coup de couteau aussi sympa. Et bah là, non. Alors, voilà. Là, je tente des petites grenades à cross de map, hein. Je vous rassure, il n'y en a aucune qui vont passer. Alors là, il y avait 2 mecs. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils dansaient. Là, il y a un mec qui va venir. Je vais le tuer. Là, j'envoie mes avions espions. Là, je vois qu'il y a un gars sur le radar. Je tire n'importe comment, je fais n'importe quoi. Donc là, nous sommes arrivés à 1450 et le deuxième à 950. Et je vous laisse la fin épique. Donc, je voulais faire une belle killcam, donc là, du coup, je ne l'ai pas tué. Une killcam assez intéressante, assez drôle. J'ai tenté un 360, mais le gars, il était parti. Donc, j'avais l'air un peu con. Là, je lui ai envoyé la grenade dans les fesses, mais il m'a cuté. Donc là, je vois qu'il y a un gars en haut. Je le paralyse. Sauf que je ne l'ai pas paralysé. Je me suis paralysée parce qu'il y avait un trou. J'avais oublié. Donc là, vous allez voir. Je vais le voir là-haut allongé. Je vais tenter une petite humiliation. Alors pour la killcam, ça serait magnifique. Oh là là, magnifique l'humiliation. Et là, c'est moi qui me fais humilier. Donc là, j'étais vraiment dégoûtée. Là, je balance ma grenade. Et je vois qu'il y avait le trou. Donc... je suis encore pire qu'un bolos. Là, je fais des hit markers et je me fais tuer. Donc là, vous voyez, il est à 950. Maintenant, il est à 1200. Alors moi, 1250. Donc voilà. Donc j'essaye de monter. Je balance une grenade. Je me flash tout seul. Super. Alors là, je me dis, ah, il y a quelqu'un là-haut. Mais en fait, il n'y a personne. Donc je me reflash tout seul. 1350. Là, je me fais tuer. Donc, voilà. J'étais vraiment en train de rager. Là, je me dis, je vais me balancer. Je vais me suicider avec ma grenade. Là, je me dis, il va prendre ma grenade déjà qu'il est touché. Bah, personne ne l'a pris. 1450. Là, quand j'arrive pour tuer le mec, la partie se termine, les amis. Donc, je vous dis, j'avais vraiment le seum. J'avais 10 kills d'avance sur le deuxième. Il m'a rattrapé pour une killcam vraiment pourrite. Bon, voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vert. Abonnez-vous. Et bye tout le monde.